Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour s'ouvrir les petites mini-tines, les nouvelles mini-tines que j'avais pas encore ouvertes sur la chaîne. Donc on a la magnifique mini-tine de pomme, là on a celle de, j'ai oublié son nom, vous allez m'insulter, le chat. Là on a Chochodil, on a également celle de Pikachu et également celle de Quanneton. Donc les amis, on est parti pour se les déceler et j'espère qu'on va avoir de la chance dans ces mini-tines. Donc à l'intérieur de ces mini-tines, on va pouvoir retrouver ces petits cartons, c'est une petite affiche que quand on les aligne en fait, on va avoir une très belle illustration. Il y a également les stickers qui vont avec des autocollants, on peut décoller les Pokémon. Donc on a Pikachu, Pomme, Pousse à chat avec le briochien. Là, on a Coiffeton avec, j'ai oublié son Olivado, Olivado. Et après, c'est Olivida, bon, je sais plus, bref. Et Chochodil avec de petits Olivado également. Et donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est les boosters. À l'intérieur, à chaque fois, il y a un écarlate et violet et un tempête argentée. Et donc, nous, on va s'ouvrir ça dans cet ordre parce que tempête argentée, je sais pas ce que j'ai en ce moment avec cette série, mais je veux trop choper le Lugia. Voilà, c'est un truc de ouf. Donc écoutez les amis, c'est parti avec du écarlate et violet. On espère évidemment avoir de la chance dans ces mini-tines. J'en avais ouvert en giveaway sur les live Whatnot. D'ailleurs, n'hésitez pas à me rejoindre sur Whatnot. Et je crois qu'on a eu pas mal de chance en vrai. Il y avait eu des beaux petits hits. Donc voilà, j'espère que ça va continuer. Et on commence directement avec un roue de fer. Je pensais que c'est une holo vu que c'était grisé. J'ai pas capté. Donc on commence directement avec une ultra rare, les amis, roue de fer. Ex, ça commence très très bien. Donc on enchaîne. J'ai quand même pas mal de chance là en ce moment sur, sur toutes les séries en fait. Attrape Pokémon, Flingouste, Olivado, Fulgulero, Scarino, Flamanroule, Prismillon. Est-ce qu'on a quelque chose? Non. Mendy. Et derrière, on aura un recherche professoral en holographique. On continue. Là, moi, de toute façon, les hits, je les veux dans Tempête Argentée. J'ai une envie, mais énorme, de choper la Lugia. Je me dis, c'est pas fini. Je peux l'avoir. Donc bah j'ouvre du tempête argenté en masse. Là j'ai une display qui m'attend qu'on va s'ouvrir avec mon copain. Et j'ai extrêmement hâte. Ok. Oh let's go, on a une AR avec un haut étourmi. Et je crois que je ne l'ai jamais tiré. Et elle est très 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 belle. Les AR franchement, mais les best, elles sont magnifiques. Hein. Franchement ils se sont chauffés sur ces cartes là. Et derrière nous aurons un recherche professoral. Mais cette fois-ci le mec en holographique. Très cool la petite étourmi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Hop, allez, on enchaîne. Après, sinon, dans les cartes et violets, j'aimerais bien choper le Coraidon Alt. Bah, parce que j'ai chopé le Miraidon, je l'ai envoyé chez Collectora, donc si je pouvais avoir les deux, ça serait trop cool. Pachiridou, panier de pique-nique, Magneton. Ok, on a rien, c'est Vipère. Et derrière, un Trousselin en holo. Dernier booster pour écarlate et violet. Donc en vrai, ça, c'est pas trop mal sur 5 boosters. On a déjà eu 2 petits hits. C'est cool, peut-être un troisième, ça peut être encore plus cool. Bah après, si les hits sont réservés à Tempête Argentée, ça me va également. Mimosa, Pimito, est-ce qu'on aura quelque chose? Non. Olivini, et rien du tout, un Scalpeur en holographique. Bon, bah du coup, 2 petits hits pour la partie écarlate et violet. Moi, ça me va. Maintenant, c'est le plus intéressant, Tempête Argentée, qui pour moi, sincèrement, est clairement une série incroyable. Pour moi, c'est clairement une série collector parce que bah, forcément, il y a le Lugia. Je la trouve plus collector que la EB11 Origine Perdue avec le Giratina, clairement. Ok, Vorastery, on aura une rare reverse et un Cobaltium en rare. Petit booster de Goopix. Code noir, ça sent bon. On aime les codes noirs, les amis. Allez, Bayard, Altaria, Peter, Tic, Welmer, Mini Draco, Berpo, Fampi, la River, c'est ce qu'on a quelque... Oh oui, ça j'aime. Ah merde, j'ai spoil, c'est une full art. Moufler V full art qui tombe, let's go les amis, ça fait plaisir, une petite full art. Ah les bords gris comme ça, je vous dis pas le coup de stress que ça met en mode... Alternative. Mais c'est une full art et c'est un mouflet en plus. C'est pas la meilleure. Clairement, j'aurais préféré une Goopix.
ou autre. Mais bon, vas-y. Et Mouflet, en plus, on l'a tiré en alt, en off. Oui, en alternative, du coup. Très joli, très joli. Allez, c'est pas fini. Ce n'est pas fini, les amis. Le 3 et 4. Il nous reste encore, ouais, après deux boosters, là. Fenard, Kaorin. Après, les alt, GG aussi, hein. Moi, je veux bien. Bacabou, Relicante, Brutalibré, il n'y aura rien. Et un golet en rare. Allez, là je le sens bien ce booster. Pas du tout. Pas du tout. En plus après on finit sur un Lugia. Arôme captivant, Wailord, Raichu, Brutalibré, Fureglon, Goupix, Soporifique. Kalinos, dommage. Et un golet. Oh là là, le double golet. Dernier booster. Est-ce qu'on va terminer sur... Oula, je vous bouge. Sur un beau final ou pas. Allez, j'y crois. Oui, code noir, code noir, code noir. Oula, j'ai défoncé le paquet de cartes. J'espère qu'il n'y avait pas... que j'ai pas rayé la... la dernière carte. Surtout, si c'est le Lugia. Halt, tous les amis. Allez, Matoufeu. Moi, j'y crois toujours. Donphan. Mimitos. Araqua. Spinda. Darpo. Sonistrel. Arkeapti. Dommage, c'est une V avec un Ursa King V qui tombe. Eh bien, les amis, moi je suis pas peu fière, pas peu contente, ça ne se dit pas, mais vas-y, vous m'avez compris. Je suis plutôt contente de ces petites mini-teens, c'est pas des hits de fou, mais au moins on a eu des petits hits quand même assez sympathiques. On a eu deux hits de chaque série en fait. Mouflair, Foulard et Ursa King V pour les boosters Tempête Argentée. Et très très joli Étourmi AR et une roue de fer ex pour Écarlate et Violet. Donc franchement, ça va, c'est plutôt cool. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et moi je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos.